Bonjour, je m'appelle Élisée. Bonjour, je m'appelle Hugo. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis en troisième. Je m'appelle Alphonse, je suis en troisième. Je suis à la MFR parce que je veux faire différents stages pour confirmer mon orientation. Je suis à la MFR de Carquefou pour définir mon orientation. Je suis à la MFR pour être déjà dans le monde du travail. Je suis à la MFR parce que je veux confirmer mon orientation professionnelle. Ce qui me plaît à la MFR, c'est l'accompagnement des formateurs pendant toute l'année. Ce qui me plaît à la MFR, c'est le suivi entre élèves et profs. Ce qui me plaît à la MFR, c'est de faire des stages et l'ambiance de classe, qui est vraiment géniale. Ce qui me plaît à la MFR, c'est l'ambiance des cours. Ce qui est différent, c'est l'entente entre les formateurs et les élèves. Ce qui est différent, c'est l'alternance. Ce qui est différent, c'est l'alternance. Ce qui est différent, c'est les stages. Depuis le début de l'année, j'étais dans deux entreprises pour mes stages et c'était génial. J'étais heureuse en rentrant le soir. Depuis le début de l'année, j'étais dans trois entreprises et c'était super positif. Depuis le début de l'année, j'ai fait quatre entreprises, c'est vraiment super. Depuis le début de l'année, j'ai été dans quatre entreprises et c'était très bien. Ce que j'aime en stage, c'est tout. Parce que ça me permet d'affiner mon orientation. Ce que j'aime en stage, c'est apprendre sur le terrain. Ce que j'aime dans les stages, c'est valider mon orientation. Bonjour, monsieur Perry, donc co-responsable de la filière 3e sous le ministère de l'Agriculture et responsable de classe, donc de 3e. Les objectifs de la formation, principalement axés sur l'orientation après 3e du jeune, soit en CAP, soit en bac professionnel, ou soit éventuellement de repartir sur un bac général. Deuxième objectif, c'est réussir le DNB. Et le troisième objectif, c'est valider l'attestation scolaire de la sécurité routière. Notre formation par alternance repose donc sur 21 semaines de stage, donc tout métier confondu, et 17 semaines de cours, dont une semaine de voyage scolaire. Nous privilégions la vie résidentielle aussi pour nos jeunes dans notre établissement.